On savait que ça va être un match important et difficile. En plus, on savait notre terrain ici, c'est pas facile pour l'adversaire. Même pour nous, c'est pas facile. Mais on savait qu'en face, il y avait une équipe. Mais toujours la coupe, c'est comme ça. Le petit poussé, il croit. La grande équipe qui est en face, il donne pas à 100%. Donc nous, on savait qu'on pouvait revenir à tout moment au score. Et justement, vous êtes revenu au score et vous avez marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ces dernières minutes? C'est une détermination. Le petit poussé, ils sont déterminés. L'équipe en face, il y a la qualité, ils jouent avec leur qualité. Malheureusement, nous, on s'appuie sur notre force et on a appuyé. Après, au final, on a gagné. On est content. Avec vous, comme l'un des chefs de file, l'un des joueurs les plus expérimentés du Red Star, vous qui avez joué en Ligue 1 et notamment la Coupe de France avec Angers, qu'est-ce que vous apportez à cette équipe-là justement en plus? J'apporte mon expérience sur le terrain, en dehors du terrain. On sait qu'un match de coupe, ça tient à rien du tout. Il suffit que d'être déterminé, d'être engagé, motivé, et ça fait la différence. Aujourd'hui, on était motivé, on était engagé, on était sur tous les duels offensifs-défensifs. On a eu la réussite. Après, on est récompensé. Et là maintenant, les huitièmes de finale, sacré fin de saison quand même pour le Red Star. Hein. Huitièmes de finale, les matchs à rejouer, etc. Déjà, le plus important, c'est de gagner, d'enchaîner en championnat, parce que l'objectif, c'est en championnat. On veut monter en Ligue 2. Après, la coupe, si on s'arrête huitième, quart de finale, le plus important, on a fait notre petit parcours. Mais l'objectif principal, c'est le championnat. Vous êtes en 3e division aujourd'hui avec le Red Star en National. Pourquoi êtes-vous venu ici tout d'abord? Vous êtes arrivé il y a quelques mois. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? C'est la soif de retrouver les terrains? Retrouver les terrains. En plus, il y a le projet sportif. Il y a un gros projet derrière. Le fait de monter en Ligue 2. Et derrière, on connaît comment ça s'appelle, le projet du club. C'est ça qui m'a motivé de venir ici. Après, comme on dit, je suis un compétiteur. Un footballeur, il a besoin de la compétition. Ça fait un petit moment... Je me suis écarté des terrains à cause d'une blessure, mais maintenant je suis revenu au top, à mon niveau. Je prends du plaisir, l'équipe gagne et alhamdoulilah. Quels sont vos objectifs après? Il y a la montée évidemment, mais justement à votre âge, voilà, c'est de prendre un maximum de plaisir justement avec ce genre de projet? Oui, je prends un maximum de plaisir, je continue à jouer. Dès que mon corps répond présent, il n'y a pas de souci. Donc là, on va tout faire pour monter. Si on monte, alhamdoulilah, Dieu merci, c'est l'objectif. Après, on verra la suite.